Kampagne Africa on Eye Level. Ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut. Und das im Kongo, im Herzen der Finsternis. Das ist jetzt echt eine Katastrophe. C'est ça le problème. Quand vous venez, c'est pour poser votre vision du monde sur nous. Je pense que son travail sera très intéressant pour vous. Waouh, regarde. Ça, c'est pas possible pour nous d'aller en Chine. Ah si, c'est possible pour vous. Welcome in China. Oh. Mir gehen die Augen über. Ja. Wir landen nicht im Knast. Wir verteilen es hier schön und verhalten uns unauffällig. Tschüss, Guangzhou. Tschüss, Guangzhou. Stadt der Mode. Ja. Ça, c'est le troisième et dernier astuce qui concerne le bagage qui vient par bateau. Frontière de Kinshasa, Brazzaville, Congo-Brazza, Kinshasa. Ça, c'est le fleuve. Le voici aux frontières de Kinshasa-Brazzaville. Cela concerne les gens qui voyagent par bateau, Kinshasa, Kinshasa-Brazzaville, parce que cela n'est pas impossible. Sur ce, pour faire ce voyage sans complications, pour plus de facilité, pour plus d'économie et pour faire de bonnes actions divines, aider les gens, il s'agit de chercher les seules personnes appelées handicapées qui sont l'unique à favoriser par Mobutu depuis Mobutu à traverser sans payer le taxe. Vous cherchez l'un de ces handicapés, vous travaillez en collaboration, vous donnez ce qui est comme bagage pour vous. Vous avez acheté, vous avez fait plein d'achats ailleurs, au Congo-Brazza ou ailleurs et vous avez intérêt à donner à ces handicapés qui ne vont rien payer du tout pour vous ramener au pays de provenance ou le pays où vous allez revenir. Et sur ce, vous allez maintenant payer ou faire de bonnes actions à ces handicapés, à nos jeunes gens qui souffrent. C'est un moyen pour vous de parler à ces handicapés, avoir à dialoguer avec ces handicapés, à vous familiariser. Là, vous allez avoir aussi la bénédiction divine, pas pour un bon acte posé. Vous allez aussi remplir vos poches. C'est ça le dernier et le troisième astuce de notre émission. Si vous faites ça, vous serez riche, vous allez remplir vos comptes. On se revoit à la prochaine émission, la semaine prochaine. Bye. C'était oui. Fatigant, hein? Oui. Très, très long voyage. Et Pascal, il est là, non? Oui, oui. Je lui ai appelé pour dire qu'on arrivait oui, déjà. D'accord. Alors, on est là, à l'académie. Pascal, das ist ja an dem, ich sah euch schon im Knast. In China. Super. Hat ja auch alles dabei? Guck mal, wie wir uns schick gemacht haben für dich. Zeig mal, wir wollen dich auch sehen. Logo. Man hat mich gleich schon mal gesehen. Yeah. Attends, regarde. Ah, le sac, oui. Tu vois ça? Ça, c'est ce que j'ai en fait. Allez. Tu as raison. Enfin là. Die ganzen Klamotten sind drin. Ja, das spürt man. Ja, ne? Ist das okay? Super. Pascal, darf ich mich gleich hinsetzen? Ich kann nicht mehr. Unbedingt. Ich hole euch zwei Biere. Ne? Ja. Macht's euch gemütlich. Oh.
Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Mais ici, on peut trouver des clients qui payent même plus comme nous avons payé en Chine. Oui, parce que c'est ça le business. Hein? Ça, c'est high quand copy. Vous achetez... On dit high copy en Chine. Ah, la copie. Oui. Ce truc. Mes chers designers, c'est ça. Très important d'avoir tiens. Cela. Tiens, essayez-moi ça. Si quelqu'un ça, trouvait cool. quelque chose avec Lydie. Ça c'est Ali, ça c'est Yves, ça c'est Daniel. Ça c'est parfait. Donc ça c'est bon. Ah ça c'est une bonne idée. Là-bas. Oui, là c'est ici. Peut-être Pascal peut être le mannequin pour ça. Ah oui, certainement, mais je pense que ce serait plutôt... Non mais laisse tomber. Ah c'est magnifique. Peut-être en dedans ça sera un t-shirt, mais ça c'est pas ma tête. Non. En plus, il y a une veste. Oh, attendez. Oh, l'antique en haut. Vous lancez tous les trucs avec. Regarde. Une combinaison kizoba-zoba. Kizoba-zoba. Idée ou pas? Idée. C'est un style fou là. Oui, oui, oui. Non, moi je suis pas persuadé. Red. Red one. Yes. Ah. Voilà. Ouais, satin aussi. Voilà. Mm-hmm. Alors, tu vois, style pareil. Hein. Là, moi je pense que c'est rock. Non, mais ça va. Donc, mais ça marche aussi oui. sur la jupe. Oui, avec deux baskets. Même sans le survêt. Vraiment, sans le survêt, c'est trop classique. Rayé. Hein, chaussette tu vois rayée. Un peu. Chaussette rayée au noir. Mm-hmm. Life is good. Ouais, c'est difficile. Non, mais ça va être très chic. Hein. Mm. Je commence à devenir folle comme toi. Hein. Avec le maquillage, ça sera. Ouais, parfait. Et tu connais des mannequins femmes? Oui. Avec lesquels on peut travailler qui a. Si la... tu demandes à l'idée, c'est oui, oui. D'accord. Tu vois, t'as tes rames, mon gars. C'est le but de plus en plus. C'est fini. Hein. Ok, en close-up et seulement sans parler pour les close-up. Pour apprendre l'en rapprocher hein, cette fois-ci. On est rapproché. Alors, action. Je n'irai pas au...
Papa chéri, j'y vais bien. Tata Dominguez. Alors, tout le monde est prêt? Musique, s'il vous plaît. Focus. Focus, attention, action. Wonderful, thank you. Ah, c'est bon. Super, c'est dans la boîte. Oui, dans la boîte. Non, alors, maintenant les dames. Il faut absolument être sur les marques pour la caméra. Oui. Ici. D'accord. Il faut approcher un peu. Oui. C'est bien. Comment? Non? Et le Kimba Mumigi? Action! Yes, okay. Je t'explique, toi qui n'étais pas là la première journée. Mm-hmm. C'est-à-dire que la première journée, tu savais qu'il y a un groupe, il y a un mannequin, il y a beaucoup de temps, il y a un peu 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 de temps, il y a un peu. Tu vois un peu, ou bien, donc vous les faites vraiment ensemble. Musique, s'il vous plaît. Action. Il y a quelqu'un qui arrive. Merci, merci. Voilà. Un très grand merci. C'était vraiment bien passé. Moi, j'aime très bien cet endroit. Ja, wir haben jetzt gedreht. Das kann nicht sein. Sag mal, die spinnen doch. Pascal. Was ist los? Sag das nochmal. Du machst jetzt keinen Witz. Sag mal, das ist Alex. Sag los, was ist los? Die haben uns rausgekickt. Wer? Wer hat uns rausgekickt? Wir sind nicht mehr Afrika on Eye Level. Du meinst die Agentur jetzt? Die haben Alex vorhin angerufen und haben gesagt, wir sind raus. Ach, hä? Wieso das wegen Markenpiraterie. Ça va, Dorothée? Non. Was denn, hat sie jetzt aufgelegt, oder was? Du? Scheiße. Pascal, t'es sûr que ça va là? Notre chère agence nous a virés. C'est quoi? À cause de la piraterie des marques, soi-disant. C'est pas vrai? Si, on a tout investi là-dedans. Tout. Mais ça veut dire quoi? C'est très simple, nous sommes ruinés. Non, c'est la situation. Non. Moi j'ai reçu cet appel-là. Moi j'ai raconté de cette compétition. Et nous, maintenant, nous sommes hors de compétition. Oui, d'abord, est-ce que ça veut dire que tout ce travail qu'on a fait, c'est pour rien? Oui. Non, mais c'est pas possible. Tout notre travail, notre investissement. Écoutez, vous voyez tous ces gens, ils m'ont fait confiance parce que moi, je vous ai fait confiance. Vous ne pouvez pas dire qu'on a travaillé pour rien. On doit être payé par le travail qu'on a fait. On doit payer. Mais notre travail, quand même. Je comprends bien votre situation, mais nous devons être payés.
Nein, pas, pas du tout. On va clarifier non, la situation. Non, non, mais c'est pas possible. Oh, lass uns doch jetzt nicht streiten, das ist doch scheiße. Ja, dann mach mal die Kamera aus jetzt. An diese Agentur, das hätte ich ahnen sollen. Aber weil so jetzt sind wir hier und irgendwie wir müssen uns dazu verhalten, ja? Okay. Komm jetzt. Alors, Dorothée, Pascal, Yana, c'était juste pour vous exprimer un peu notre mécontentement, hein, parce que j'ai comme l'impression que c'est pas du tout sérieux. Hein, dans le sens où vous devriez savoir en fait que c'est sensible cette question des griffes, des grandes marques, des piratages. Il fallait le savoir avant d'embarquer dans le projet et de nous embarquer dans le projet. On mise tout sur un projet parce qu'il n'y a pas d'autres projets en vue, d'accord? Donc ça, je suppose que vous également, vous connaissez. On n'avait pas prévu ça, naturellement, l'histoire des marques, mais on était obligés d'investir tout ce qu'on pouvait dans ce projet. Je sais pas, vraiment. Non, mais attendez une minute. On a passé tout ce temps avec tout cet argent dépensé, avec des gens qui sont venus de Dieu sait où, avec une campagne. Bon, moi, le cinéma, je m'en fous pas trop. Mais il y a quelque chose sur lequel, moi, je veux bien marteler. On a du matériel. D'accord? On a des vêtements, on a des mannequins. Et si je songe au nom de ce projet, Kinshasa Collection, moi, directement, je pense à une seule chose. Une seule. Alors, pourquoi on ne créerait pas un label avec ça? Un label qui s'appelle Kinshasa Collection. Parce que là, le cinéma, mais la mode, et quand je pense que vous allez rentrer tous les deux à Berlin, ça veut dire... Trois avec. Oui. Jetzt sollen wir auch noch das Fach wechseln? Je pensais qu'ils allaient nous laisser au moins il y en a, quoi. Mais c'est pas possible. Mais si vous rentrez avec des vêtements, ça veut dire que vous pouvez les rendre beaucoup plus intéressants. Je leur explique un petit peu. Der meint, dass die Sachen, die wir im Moment haben, sollen wir eigentlich irgendwie nutzen, um die verkäuflich zu machen, weil wir zu viel darin investiert haben. Entspricht ja unserer Geschichte im Trailer, dass wir nach Sachen gesucht haben, die sich auch in Berlin verkaufen lassen. On a tous ces vêtements qu'on a là. Au lieu que le projet tombe dans l'eau comme ça, improvisons. De toute façon, vous êtes à Kin, hein? Qu'est-ce que nous on fait? Faites comme nous, improvisons. Absolument. Wie genau würde das denn aussehen? Naja, das müssen wir danach so und wir ausdenken, also zu Ende denken. Laisse-nous au moins dormir sur cette idée, non? Ich weiß nicht, ob ich sportlich genug für sowas bin. Aber ich sag jetzt mal einfach nur auf Deutsch, ich kann nicht mehr. Ja. Ich muss ins Bett. Ich sag hier, auf Wiedersehen, mach du mit denen aus, dass wir die morgen nochmal treffen. Salut Dorothée. Salut. Salut, salut. Salut Pascal. Monsieur Cédric. Salut. Bien reposé? Absolument. Ça va? Absolument. Très bien reposé. Bonjour Cédric. Ah ben bonjour. Et décidé. Ciao, Chopa. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. Chopa. Salut Pascal. Hello. Alors voilà. C'est très important qu'on ait pour cette collection un label qui va présenter les vêtements. Et moi, le logo du label, ça ressemble à ça, ça s'appelle Kinshasa Collection. Ça, on doit présenter ça sur les vêtements. Alors c'est tout clair, j'ai déjà préparé deux ou trois vêtements qui vont être cachetés avec ça. Et je pense qu'on va aller les voir tout à l'heure. Fantastique, où ça? Eh ben, ce sera au marché. Au marché Gambela. Au marché quand même, ouais, c'est un marché qui n'est pas très, très loin d'ici. Lui passe pour un Congolais, personne ne saura qu'il est allemand. Si je parle pas. Ouais, donc... Ok. Moi j'ai compris. Il vous faut rester. Oui. Oui, mais Diana, moi je peux prendre ta caméra à ta place. Je vais te filmer pour toi. Ist nicht zum ersten Mal, Diana, oder? Das ist einfach so hier. Da müssen wir uns mit abfinden. Es gibt
viele, vielleicht sogar die meisten Orte, wo wir mit unserer Hautfarbe gar nicht drehen können. Gut, also, dass du mitfahren kannst, Pascal. Machen ich kann so. Schon sehen, ja. Aber wir bringen euch im Muster. Okay. Ja? Allez, on y Super. Va? Mhm. Ouais, on y va. C'est bon. Was machen wir jetzt? Wir sitzen und warten. Cool. Eine millionste Bild auf dieser Terrasse. Bonjour. Bonjour. Oui. Habe ich wenigstens auch mal Zeit, mich zu etablieren. Komisches Gefühl jetzt, ne? Ja, es hat mal wieder warten. Naja, das ist sozusagen zurück auf Null. Wobei ich nicht weiß, ob es noch mal weitergeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Jana, ob ich noch mal die Energie aufbringen werde, irgendwie was anderes zu probieren. Ich meine, diese Sache, da kommen wir jetzt, wenn wir Glück haben, mit einem blauen Auge raus, so finanziell. Oh, guck mal, der da, guck mal. Was? Siehst du den? Was so, ein kleiner Vogel mit, der ist ganz, ganz gelb. Ah, ja. Findest du, wir haben versagt? Mit dem Trailer? Nee, mit dem ganzen. Also hast du jetzt gerade das Gefühl, wir sind. Also so als Filmemacher. Kann ich irgendwie nicht einschätzen. Also wären wir jetzt hier gewesen, um irgendwie einen Kinodokumentarfilm zu drehen, dann ja. Aber keine Ahnung, ich meine, ich finde die Wendung jetzt gar nicht, wer weiß, also ich meine, irgendwie kann das schon was. Du meinst, wir müssen erst um die Kurve und gucken, was da kommt? Ich weiß, ich bin mal gespannt, wie es dann irgendwie in Berlin läuft. So. Ich allerdings auch. Wenn die, also, wenn das funktioniert und ich finde es ja tatsächlich schick und ich glaube auch, dass es viele Leute schick finden. Ja. Dann finde ich, haben wir nicht, auch wenn es dann kein Film ist oder kein Trailer oder wie auch immer, dann ist es kann's sehr positiv sein. So. Ça va? Très, très, ça va, sur le cigare. Je suis à Giscaval, Yujiyamamoto, appellation Montard. C'est très cher, vraiment, c'est très cher. Moi, je suis au télé. Ah, un photo. Ah, ich glaube, er hat seinen Fotografen mitgebracht. Ah, für Erinnerungsfotos. Der hat eine analoge Kamera, ne? Ja, glaube ich auch. Jetzt noch. Pour la route. Comme ça. Est-ce que tu t'aimes? Comme vous n'avez pas encore, pas de peu friqué.